2014년 여름 프랑스 국영 라디오 채널 프랑스 앵테르의 청취자들은 먼 과거의 시들이 울리는 것을 듣게 됩니다. 친숙하고도 낯선 중세시대의 시들. 왜 중세인가? 라는 첫 번째 방송으로 시작된 이 3분 30초 동안의 울림은 40번에 걸쳐 청취자들을 매혹과 사랑의 노래가 태동했던 시대로 이끌었습니다. 이 책의 저자 미셸 젠크는 원고를 쓰고 방송을 통해 낭독했으며 그렇게 낭독한 것을 책으로 엮었습니다. 이 책은 마치 중세 문학의 태동이 그랬듯이 들려지기 위해 만들어졌습니다. 또한 이 책은 우리가 파악할 수 없는 숱한 암시들로 가득한 중세 문학을 보다 정확하게 해독해 한층 더 즐길 수 있도록 하고 우리가 살아가는 세상이 지나온 젊은 시절처럼 마음을 움직이게 하며 싱그러워진 중세 문학에서 보다 더 생생한 즐거움을 느끼도록 합니다. Je ne peux pas juger de la traduction elle-même parce que je suis ignorant et je ne sais pas le coréen. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que vous aviez complété le livre par une introduction extrêmement riche qui, dans certains cas, complète ce que je n'ai pas dit. Parce que, comme il s'agissait de chroniques séparées et pratiquement d'une entreprise de distraction, il ne s'agissait pas, ce n'était pas un manuel ni un cours systématique d'initiation à la littérature du Moyen-Âge. Et grâce à votre introduction, vous avez su faire de ce livre quelque chose qui est un peu une initiation à la littérature française du Moyen-Âge. Et vous l'avez complété par des notes nombreuses et par des notes qui ont le scrupule de donner les citations dans la langue originale et même deux fois dans la langue originale, dans l'ancienne langue, l'ancien français ou l'ancienne Languedoc, la langue qui se parlait dans le sud de la France, qui était une grande langue littéraire à l'époque, ou même en latin, et puis la traduction en français moderne que j'y ai jointe. Mais un livre extrêmement utile, aussi bien aux étudiants qu'à tous ceux qui s'intéressent à une littérature aussi lointaine dans l'espace et dans le temps que la littérature française du Moyen-Âge.